Et bonjour, bonjour à tous les amis, bienvenue, bienvenue dans le Valo Hebdo. Je suis ravi de vous retrouver. Mon micro, beaucoup moins, j'ai l'impression. Alors attendez, comment il fait Comment ça fait Ça fait comme ça. Ça va. Fait... Allez, on va dire que ça fait comme ça. Bienvenue dans le Valo Hebdo, épisode 78. Aujourd'hui, on va, on va avoir quelques petites news, justement, que l'on va pouvoir. Passer en revue et puis on a un invité euh, que je recevrai dans la deuxième partie de l'émission également pour ceux qui découvriraient le Valor Web aujourd'hui et eh bien c'est très simple je vous condense en un format d'une heure une heure et demie toutes les actualités de Valorant les news euh, concernant le contenu le jeu en lui-même les formats compétitifs euh, tout ce qui va être liqué tout ce qui va arriver également des perles de la communauté, et puis on passe euh, du côté de la scène internationale avec la scène féminine et masculine, les grands tournois internationaux, puis un zoom sur notre scène française à nous, de temps en temps des invités, et aujourd'hui, eh bien c'est le cas, on aura un invité, et puis on termine en général par l'agenda de la semaine, des fois il y a des petits clips aussi à regarder, voilà, c'est euh, un petit peu votre journal de l'actualité de Valorant que je vous propose et je vous le propose, euh, en plus, pour ceux qui sont, euh, voilà, pour ceux qui sont adeptes euh, de la vidéo, je vous le propose en... Euh, alors attendez, voilà, hop, transition, ça doit faire comme ça, ça doit faire comme ça, ça fait totalement comme ça, c'est parfait. En podcast, vous allez pouvoir retrouver tout ça sur iTunes, sur Google Podcast, Spotify. Euh, Deezer, SoundCloud, Amazon Music. Il me semble qu'il y a Audible aussi, Apple Podcast. Et il y en a pas mal d'autres, euh, les amis. Donc euh, voilà, plutôt. Euh, alors voilà, j'en profite pour ajuster un petit peu mon setup puisque voilà, nouvelle version d'Obs. Pour ceux qui le savent, on a eu, euh, on a eu pas mal de petits changements. Je suis très très content de pouvoir vous euh, retrouver, en tout cas aujourd'hui. Euh, je vous rappelle d'ailleurs, vous pouvez retrouver les. Je perds mes mots aujourd'hui, je perds mes mots, c'est comme ça. La VOD en vidéo, elle sera sur YouTube dans quelques jours. Également la VOD sur Twitch. Si vous êtes abonné à la chaîne, je vous engage à le faire. N'oubliez pas de boire un petit peu par ces fortes euh, chaleurs. En tout cas, bienvenue à tous. J'ai vu pas mal de monde. J'ai vu Nokai. Euh, il y a vu le texte également. Johnny, bienvenue, bienvenue tout le monde. Euh, Clem qui est là comme d'habitude. Euh, Tidrosir, comment ça va Bienvenue, bienvenue, vu. Euh, il y a même Flo, comment vas-tu Mon cher Flo, bienvenue à toi. Donc voilà, on va partir pour notre, euh, notre Valway bedo. Et on va euh, eh bien écouter les amis parce qu'il y a pas mal de petites choses. Et puis je ne voudrais pas... Être en retard, voilà, on commence à, à s'éteuper des choses. Je ne voudrais pas être en retard pour accueillir mon invité du jour. On va partir eh bien, sur la première rubrique de l'émission. Allez, c'est parti, rubrique de l'émission, c'est bon, la régie est bonne. Jingle pour les news. Hop, les news qui sont prêtes à partir, mesdames et messieurs, euh, on est, hop, voilà, petit réglage ici, petit réglage là, très très content de retrouver vous retrouver toutes et tous aujourd'hui, on, traditionnellement on va commencer les news par... La version du jour, la voici, version 5.06. Euh, on n'avait pas, euh, pas vraiment de contenu dans ce patch 5.06. C'était tout simplement euh, des, des, des petites mises à jour sociales, un petit peu voilà, sur euh, la façon dont vous pouviez euh, faire des reports, dont vous pouviez afficher tel ou tel, euh, voilà, tel, tel euh, le parti leader. Je ne vais pas m'attarder forcément. Là-dessus, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire comme ça, bon, voilà. on va passer directement sur les assets de la semaine, et c'est parti pour les assets de la semaine, avec dans un premier temps, eh c'est un article, un article de nos amis, les développeurs de Cheriot, un article qui va concerner justement l'état des agents, vous le savez, ils font régulièrement comme ça des petites updates. Et il, il nous donne un petit peu, et eh bien le, la tendance sur ce qui va arriver, sur euh, bien, voilà, leur vision un petit peu de l'équilibrage. Il, il y a pas mal de choses. Et je vais euh, bande de petits chanceux, je vais vous en faire la lecture euh, un petit peu dans les grandes lignes. Mais voilà, typiquement depuis le, depuis le patch 3.0, on a, on a pas mal travaillé. En termes d'équilibrage pur, hein, on s'en souvient, on avait même eu un acte 4, un acte 2, épisode 4, qui était entièrement dédié à l'équilibrage. Ce sera peut-être le cas encore cette fois-ci. Euh, ils, ont, ils ont pas mal travaillé, notamment sur le rôle d'initiateur qui était un petit peu en retrait. Et grâce à l'arrivée de Fade, du coup, eh bien, ils avaient pu détrôner euh, la suprématie de, de Sova. Bien entendu, Breach également, qui était revenu. Euh, en force, euh, ainsi que KO. Donc voilà, les petits petits réglages qui ont pu être faits et qui commencent à euh, vraiment porter leurs fruits, euh, que ce soit sur la scène compétitive internationale euh, ou euh, tout simplement en ranked, hein, tout simplement pour les joueurs casual. Donc voilà, c'est un petit peu là où le, je pense que le, la balance est compliquée à trouver pour eux, c'est qu'il faut satisfaire aussi bien les joueurs de tous les jours et eh bien tout simplement les pros et ils doivent jouer un petit peu sur les deux tableaux pour pouvoir nous offrir eh bien une expérience équilibrée c'est le plus dur hein, de toute façon dans un jeu compétitif vous le savez euh, petite note également sur chamber qui ils l'ont très très bien distingué je pense autant euh, côté côté joueur pro que euh, côté euh, côté joueur casus et Chamber qui domine vraiment ce rôle de sentinelle et donc ils ont ils avaient déjà préparer un petit nerf dans le patch 5.03, vous en souvenez peut-être, et ils ont pour projet eh bien, de continuer à, à le nerfer hein, ce bon Chamber, il devrait donc redescendre un petit peu de son piédestal, effectivement il est très fort, notamment entre des mains expertes, c'est un petit peu la nouvelle Rena si je puis dire, à l'époque où Rena était extrêmement forte, ou Raze un petit peu plus au début du jeu, bien entendu. Donc voilà, il nous explique également comment il détermine, eh bien voilà, quels sont les, les ingrédients qui permettent de déterminer tel agent doit être nerfé, tel agent doit être euh, buffé. Euh, ils vont regarder le taux de victoire et le taux de pique en, en solo queue, notamment. Et donc voilà, à travers tout ça, ils vont regarder, eh bien, si ce sont des victoires miroirs ou non miroir. Donc, est-ce que l'agent est des deux côtés de l'équipe Est-ce qu'il n'est que d'un seul côté bien entendu la perception des joueurs aussi avec pas mal de pas mal de surveys pas mal de euh, comment on dit surveys en français déjà sondage, pas mal de sondages qui sont envoyés par mail c'est très très possible d'ailleurs que vous en receviez de temps en temps sur votre adresse mail euh, justement pour votre compte euh, pour votre compte Riot et puis donc voilà le, les jeux professionnels aussi qui sont un petit peu regardés toute la notion euh, également des principes de conception donc comment est-ce que tous les agents vont s'intégrer un petit peu dans le jeu de manière générale? est-ce qu'il manque des choses? est-ce qu'il y a des choses qui, sont, enfin, qui vont vraiment, vraiment dénoter dans les mécaniques? on se souvient un petit peu de voilà des, des anciens spells de yoru euh, qui ont donné, euh, qui ont donné pas, mal de, euh, pas mal de changements et qui ont abouti finalement à son clone. Donc, il est encore possible finalement d'avoir de, de l'équilibrage comme ça. et donc dans les prochains épisodes dans les prochains patchs très très clairement euh, ce qui euh, ce qui ressort un petit peu de cet article là c'est que euh, on va avoir des euh, changements qui vont apparaître très très grossièrement sur chamber donc des nerfs à prévoir euh, sans doute plusieurs petits nerfs pour voir un petit peu l'effet pour voir un petit peu ben voilà son efficacité qui va dégringoler petit à petit et également Félix. Euh, Phoenix, le célèbre euh, initiateur, hein, l'un des premiers euh, de, euh, duelistes, qui est aujourd'hui, alors c'est d'après les stats, très très joué à haut niveau. Euh, il avait été buffé en patch 5.01 et du coup eh bien, ce Phoenix-là va peut-être euh, peut -être, être un petit peu rectifié pour qu'il puisse être euh, peut-être un petit peu plus joué dans les bas niveaux. Euh, L'idée aussi, c'est que Phoenix puisse revenir dans la file compétitive. Ça commence à être le cas, notamment du côté français. Mais euh, je ne sais pas si ce sera, voilà, si ce sera le cas euh, vraiment pour tout le temps. Euh, également, ils nous disent que euh, Cypher pourrait être... Euh, pourrait être modifié puisque eh bien voilà il a perdu un petit peu de sa superbe notamment sur les rôles de sentinelle donc Cypher pourrait, pourrait avoir un petit voilà un petit changement à venir dernier euh, dernière information hein, qui nous vient de ce côté là ça va être au niveau de l'agent 21 le prochain agent donc euh, pour lequel il nous propose une petite image illustrative je, je vous euh, dissèque un petit peu toutes les informations, mais il s'agit bel et bien du coup d'un agent indien qui aura un très très fort lien avec l'élément de l'eau, un petit peu comme Phoenix a l'élément du feu, Jet l'élément du vent, ou Sage l'élément de la terre. Enfin voilà, il va y avoir euh, un nouvel et euh, cinquième élément. Justement, et cet agent indien qui pour l'instant s'appelle Mage en, en nom de code, en tout cas, eh bien, devrait, euh, devrait faire son apparition très très bientôt. Un contrôleur, euh, sans doute, puisque c'est le rôle qui pour l'instant souffre le plus, en tout cas pas, qui n'a pas été renouvelé depuis l'arrivée de euh, Astra, et c'était déjà il y a un bon six mois, un an. Donc voilà pour ce prochain événement. On passe à la suite avec. Euh, un petit le saviez-vous Le saviez-vous, euh, les amis, il y a eu un micro changement de, de UI si vous l'avez justement, si vous l'avez en maximum de, de la qualité, si vous avez mis les, les paramètres en qualité maximum pour l'UI, et eh bien vous allez avoir ce petit changement là. Vous voyez c'est très très léger, hein, mais sur la gauche, en haut le patch 505, en bas le patch 506 avec des petits éléments, voilà, une petite barre verte qui va briller avec un petit euh, petite émeraude losange au lieu de, de petits traits jaunes avant. Voilà, C'était simplement pour euh, nous remettre un petit peu ça dans le, voilà, dans le contexte. Je vous euh, remets également, euh, les amis, on va, on va se le muter d'ailleurs, le petit trailer. Justement, du pack de skins Champions, vous vous en souvenez, pack de skins qui a été lancé à l'occasion des Champions euh, d'Istanbul 2022. Une fantôme que vous pouvez voir en action et un cut, hein, un couteau papillon qui, euh, qui sont disponibles toujours dans la boutique. Et je vous rappelle que la moitié de la somme qui sera collectée pour aller chercher euh, justement euh, ce, ce skin là sera reversée aux équipes. Euh, donc voilà, 50% de la somme reversée aux équipes. Et bien tout ça, ça, ça nous amène à une petite, euh, une petite sortie justement de nos développeurs. C'était Pretty et Sean Marino euh, qui vont nous expliquer justement eh bien, comment, euh, comment leur est venue justement euh, l'idée, qu'est-ce qui les a un petit peu inspirés, euh, quelles, quelles sont un peu les sources d'inspiration vis-à-vis de la kill banner notamment. Le, les visuels par rapport à l'évolution de l'arme. Voilà, on a le Gun Buddy qui est ici. On va, on va le mettre en plein écran pour, pour se commenter tout ça, les amis. Hop, voilà, transition. Incroyable. Euh, donc voilà, on les voit travailler justement dans le studio de chez Et euh, il nous explique un petit peu. Je vous laisse la fais court, Je vous laisserai aller regarder la vidéo si cela vous intéresse. Elle est en anglais sous-titrée. Euh, avec voilà les premiers concepts pour la fantôme. Les déclinaisons également. Et Cette texture euh, en losange pour euh, indiquer un petit peu l'évolution du joueur. On avait voilà des textures de base au départ qui étaient très très blanches et puis voilà au fur et à mesure des kills 0,5 kills 10 kills 15 kills 20 kills 25 kills et vous avez le 25 kills bien entendu qui est le palier euh, le plafond maximum qui va vous permettre euh, eh d'avoir le, le même enfin le plus bel effet. C'est également le cas sur le couteau papillon. Euh, les amis, voilà un petit peu pour le voilà un petit peu pour, pour ceci. Euh, on nous explique également que voilà, les développeurs ont été très très inspirés par euh, justement le, la vidéo euh, Fire Again, la vidéo officielle, justement de la nouvelle musique des Champions, et euh, avec notamment cette notion de courir vers un objectif. Bref. Je vous laisserai aller regarder un petit peu l'intégralité de, de ce contenu-là, mais très très sympa. Euh, hop, voilà, je récupère la main. Il euh, y, y a pas mal de petites choses, voilà. notamment sur le son également. En tout cas, c'est très très intéressant. C'est le genre de petites petite insights qui me plaisent bien. On ne va pas se le cacher, on ne va pas bouder son plaisir. Euh, donc voilà pour euh, ces skins. Valorent, euh, en parlant de champions justement, je pense que vous l'avez vu, mais je vous euh, le remets quand même sur la map Pearl, la toute nouvelle map portugaise. et eh bien, vous avez euh, différents endroits qui sont dédiés à Pearl euh, pour justement faire de la publicité in game pour le euh, voilà pour l'événement. On l'avait vu dans l'amphithéâtre justement côté spawn attaque. Là, on a euh, des posters. Sur le site B, ici dans le, dans le couloir du musée CT, on a également des posters. Et puis à l'intérieur de la boutique, côté spawn des attaquants, c'est également le cas. Toujours dans les lignes de skin c'est une nouvelle apparition dans la boutique. Les amis, le pack s'appelle Koaku et Matsuba. Euh, un pack qui, vous l'avez compris, est plutôt inspiré de la culture japonaise. Euh, on a euh, pas, mal, voilà, pas mal de petites armes. Elles sont ici sur le côté. Je dois avoir quelques visuels euh, pour vous régaler. Typiquement, on va avoir un pack assez standard, un pack euh, voilà, milieu, de, milieu de gamme qu'on peut, peut dire, avec une fantôme, un opérateur, le classique, un judge, mon Dieu, et enfin une arme de mêlée qui est un... un... Waouh J'ai perdu le mot en français, qui est un... C'est pas un pas. Merde, ça va me revenir. Ça va me revenir. Je vais, je vais, vous, mettre la, je vais vous mettre la vidéo. Si vous l'avez dans le chat, dites-moi. Voilà pour la fantôme. On va la mettre en plein écran la fantôme. La fantôme variation blanche et euh, variation noire également qui sont disponibles avec les cartes coyant sur le côté. Très, très sympa un éventail voilà l'arme de mêlée est un éventail mesdames et messieurs et on va justement aller voir ce fameux éventail le voici avec euh, également variation blanche et variation euh, sombre voilà très très sympa l'inspection bien entendu l'éventail voilà qui nous permet de nous rafraîchir un petit peu Hop. Merci LMK, effectivement éventail, c'est bien joué. Et euh, la, ouais, la, version, la version sombre, elle est assez sympa. J'avoue que pour la, pour la partie fantôme, je la trouve aussi plutôt cool. On reste sur les skins, hein, pour ceux qui nous, nous écoutent ou qui écoutent le podcast, on reste sur des skins euh, standards, c'est simplement une texture voilà, qui a été appliquée euh, dessus. Donc voilà, plutôt, plutôt sympa, plutôt sympa cette, euh, cette, petite, euh, cette petite collection là. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Elle va vous être proposée dans la boutique pour la somme de 5100 Valor Points sous alentours de 50 euros, un petit peu moins, euh, avec l'inflation bien entendu. Chaque arme vous coûtera 1275, et puis l'arme de mêlée seule euh, 2550. Vous allez retrouver effectivement. Euh, comme comme d'habitude, un tag, une carte et un pendentif, un, un buddy charm, voilà, de votre arme euh, pour ce pack Koaku et Matsuba. On continue les news, toujours un petit peu dans le thème skin, hein, pas mal de skins en ce moment, euh, en termes de contenu, les amis, le Night Market qui sera de retour très très prochainement, ça va être à partir du 28 septembre, donc c'est ben, typiquement. Euh, pas mercredi prochain, mais mercredi encore d'après. Voilà, et vous allez pouvoir retrouver euh, ce night market et eh bien pour une durée de euh, une dizaine, quinzaine de jours à peu près. Donc, vous allez pouvoir faire vos emplettes. Si vous vous souvenez du euh, du principe, le night market, c'est six cases avec du contenu, des skins que vous allez pouvoir retrouver à divers euh, euh, pourcentages de euh, promotion. Donc à voir un petit peu euh, si vous trouverez votre bonheur euh, cette fois-ci news également. Là on est plus sur du leak, sur euh, en fait c'est la recopie du PBE, donc la version euh, publique bêta américaine. Et on nous annonce que euh, eh bien, un potentiel euh, buff de Lastinger est en cours, est en train d'être testé, notamment le, euh, voilà, le tir principal qui, euh, qui serait ajusté un petit peu. Le, le, le pourcentage de précision euh, au niveau de l'erreur va diminuer un petit peu après la septième balle euh, de 1.6 à 1.3 si ça vous parle et pour le, euh, le, le feu alternatif donc le euh, clic droit vous allez pouvoir retrouver euh, une un, un petit un, un petit euh, qu'on appelle ça Une petite vitesse, justement, de tir qui a été, euh, au niveau de l'erreur également, euh, réduite de 0,5 à 0,35. A priori, info à confirmer, et encore une fois, ça reste, dans le, ça reste dans la bêta publique, donc il est très possible que ce ne soit pas, euh, justement, euh, publié. Tout simplement, on a aussi des news au niveau euh, du mode de tournoi interne, je vais en reparler dans une seconde. On en parlera d'ailleurs un petit peu plus dans la, dans la section. Euh, international de l'émission mais euh, voilà à l'intérieur du mode tournoi et eh bien on aura différents types de matchs apparemment euh, des tournois et des ligues avec des euh, voilà des ligues qui nous permettront de récupérer des points de ligue effectivement on avait eu pas mal de choses euh, d'annoncer au niveau de ce mode tournoi hein, qui nous avait été déjà un petit peu teasé début 2021 pour ceux qui s'en souviennent et euh, je dois avoir le, le visuel un petit peu après pour vous montrer tout ça, en termes de contenu, celui-ci, il est gratuit si vous avez Prime Gaming. Vous savez, vous avez une petite page de loot, euh, notamment à travers Twitch, qui vous permet d'aller chercher du contenu gratuit en jeu. Vous liez votre compte Riot et celui euh, d'Amazon Prime et vous faites juste clic pour récupérer, cette fois-ci, la récompense in-game. Et cette carte, le bras de fer entre Phoenix et Yoru, carte très sympa. Si jamais euh, vous voulez briller en société euh, parmi les différents euh, duellistes, bien sûr, qui sont prévus. Petit clin d'œil, euh, petit coup d'œil sur le calendrier également. Toujours dans cet épisode 5, on retrouve trois actes. Je vous le rappelle, l'acte numéro 1 euh, qui nous a porté Pearl euh, se déroulait donc de fin juin à fin août. Cet acte numéro 2 dans lequel nous nous trouvons est. A priori, dans lequel nous ne verrons pas de troisième personnage, euh, sera peut-être eh bien l'objet de peut-être d'un petit peu d'équilibrage, mais comme on est en plein Champions, a priori non. Cet acte numéro 2 il va euh, s'étendre jusqu'à octobre 2019, euh, jusqu'au 19 octobre, parlons. Donc euh, techniquement jusqu'à mardi prochain, lundi prochain, mardi prochain effectivement. Et donc notre Acte euh, numéro 3, eh bien, il pourrait, se... il pourrait attaquer à partir du 19, vous l'avez compris, donc la semaine prochaine. Mais non, mais pas la semaine prochaine, qu'est-ce que je raconte On est en septembre, en octobre les amis, donc dans un mois, dans un mois, on retrouvera l'acte numéro 3. Et sans doute ce nouvel agent mage, donc l'agent numéro 21, le contrôleur euh, aquatique. On va sans doute l'appeler Aquaman, hein, je pense, très très rapidement dans le jeu on verra ça pour euh, les petits clins d'œil sur ce qui pourrait arriver également dans le futur un petit redit mais euh, ça me surprend toujours autant les emotes oui mesdames et messieurs les emotes comme dans Fortnite et eh bien les emotes sont en préparation dans Valorant pour preuve euh, hop c'est pas la bonne vidéo celle-ci voilà petite emote de jet euh, une emote donc qui sera visible à la troisième personne uniquement euh, donc, par vos alliés et par euh, et bien les ennemis que vous avez abattus, bien entendu, ou vice versa. Et euh, donc, voilà, petite animation qui sera possible de jouer, euh, à mon avis, en euh, phase d'achat au départ et en phase de victoire une fois que le round est terminé, bien entendu. Donc, voilà, petite, euh, je pense, petite arrivée. Euh, Petite arrivée des emotes, euh, pas pour tout de suite, mais euh, je pense que c'est quelque chose que notamment les plus jeunes joueurs euh, vont, vont avoir envie d'utiliser et même pour faire de très très belles compiles sur YouTube. Pourquoi pas Pourquoi pas cet acte numéro 3 euh, Il pourrait s'accompagner de plusieurs changements, notamment peut-être la fameuse sélection des agents en cascade qui nous avait été teaser, donc voilà, comme sur League of Legends, si vous êtes familier du genre, vous allez avoir la possibilité de sélectionner votre agent, mais ce sont tous les joueurs, un par un, qui vont avoir 10 secondes pour sélectionner l'agent qu'ils veulent. Ils peuvent pré-shot et également indiquer leur main, et ça permettra peut-être ben voilà, d'encourager de, de, un petit peu les gens à sélectionner des agents pour compléter un roster, et pas forcément installoqué comme des gros babouins comme aujourd'hui également euh, un futur mode de jeu en 1v1 qui pourrait être disponible celui-ci euh, je pense qu'il peut être assez intéressant si jamais il arrivait euh, mode de jeu 1v1 donc soit en Bo10 soit en Bo13 donc plutôt plutôt un mode de jeu rapide mais je pense que en duel euh, en duel rapide ça peut être ça peut être assez sympa euh, ça me rappelle un petit peu le mode de jeu sur Rocket League par exemple ou tout simplement eh bien pour affronter votre euh, meilleur ami votre meilleur viewer si vous êtes streamer pourquoi pas un mode de jeu qui pourrait être très très sympa aussi un petit mode fun voilà c'est toujours du bien de mettre un petit mode fun dans les modes dans les jeux compétitifs comme VALO un petit mode CTF capture du drapeau euh, mode de jeu par équipe donc et puis euh, vous allez capturer un objet neutre le, le posséder pendant plusieurs secondes et récupérer un point justement la victoire est au score je pense que vous connaissez un petit peu le, le principe puisque c'est un très très grand classique des jeux fps notamment et puis les tournois internes donc qui vont arriver euh, apparemment plus vite que prévu hein. 2023 c'est un petit peu le, la date d'atterrissage qui, euh, qui semble être choisie pour l'instant pour cette nouvelle fonctionnalité on va voir euh, si c'est euh, si bel et bien le cas, euh, pour euh, voilà, ce mode interne, les amis. Ensuite, un petit peu de Valorant mobile. Pourquoi pas Est-ce que je vous l'ai remis là, là Est-ce que je vous l'ai mis la petite vidéo Ah non, je ne l'ai pas remis dans le runner. On va la remettre dans le runner tout de suite. Écoutez, on va faire ça. On va faire ça. On va faire ça. On va faire ça comme ça. Hop là, on va aller chercher. Attention. Paf, et on va descendre le son, bien oh, entendu, non, attends, du Valorant Mobile, euh, qu'on va mettre ici. Voilà, nickel. Et donc voilà, Valorant Mobile qui euh, est en, est en bêta-test hein, pour l'instant. Là, on a les images, justement, de la version euh, chinoise qui sont sur votre écran. Mais euh, effectivement, un, un mode qui a l'air assez abouti et qui, euh, qui est bel et bien réel, hein, les amis. C'est bel et bien le euh, Valorant qu'on aura à quelque chose près. On retrouve euh, pas mal de contrôles familiers des jeux mobiles, bien entendu, les, les grands boutons dont on pourra, je pense, sélectionner la taille et la position sur le HUD. Voilà la sélection euh, un petit peu rapide des, euh, des armes à acheter en début de round avec un gros shield par exemple une vandale pour le cas présent là on a du gameplay de phoenix, mais euh, tous les euh, bien entendu tous les agents seront euh, jouables Donc, voilà phase d'attaque phase de défense un petit peu d'aim assist bien entendu mais euh, c'est euh, c'est un petit peu euh, voilà ça va être un petit peu euh, je pense la grande découverte lorsque ce euh, mode là va va revenir Bien entendu, Valorant Mobile, ce n'est pas la bonne scène. C'est la bonne scène. Parfait. Parfait, parfait. Ça, là, il me dit, j'ai vu une vidéo. Où une jet qui jump shot tout le monde. Shorta sur Bind. Lame assist 120 points. Oui, je l'ai vu aussi. Je ne l'ai pas réussi à la retrouver pour la mettre dans l'émission. Dans Mais effectivement, il y a... Alors, c'était... Lui, il jouait à la, à la manette, il me semble. Il jouait à la manette Xbox. Euh, je saurais pas dire si c'était euh, justement si c'était sur une version PC ou si c'était sur une version mobile. On sait également, euh, d'ailleurs, tu préchotes un petit peu, euh, c'est très bien. Hop là, euh, on sait également que Valorant arrive sur console. La transition est parfaite. Hop là, euh, puisque voilà des offres d'emploi ont été euh, ont été émises hein, du côté de chez euh, Riot. Et on a découvert également des, des layouts de boutons hein, de console euh, manette playstation à gauche manette xbox à droite euh, a priori on aurait euh, voilà on aurait sur ces deux consoles là peut-être la switch ça m'aurait euh, j'aurais trouvé ça assez rigolo sur la switch mais ce n'est peut-être pas forcément le public que Riot cherche à atteindre on verra on verra un petit peu ça on verra un petit peu ça, les amis. On se termine avec euh, la euh, une petite compilation des perles de la communauté que j'adore, bien entendu, avec cette première euh, avec Sage et euh, Jet. Un très très grand classique, Sage qui nous dit euh, Let's Save, c'est parti, euh, sauvegardons pour euh, euh, faisons une écho pour ce round et euh, Jet qui nous dit Let's Save. Mais non, achetons un opérateur et allons mourir au mid un très très grand classique. Je suis sûr que vous me comprenez en parlant de Sage, une très très belle euh, un très très bel artwork ici euh, qui pourrait être euh, qui pourrait être digne euh, justement d'une carte de joueur très très sympa. Ce yoru aussi que j'ai trouvé en plein supermarché, très sympa, voilà, qui fait ses courses dans le plus grand calme. Euh, Aux rayons surgelés et poireaux. Et enfin, un joli petit chat en mode cipher. Incroyable, effectivement, le Yoru, il est, il est très sympa. Il est, euh, dommage qu'il n'ait. Je suis sûr qu'il a le masque, ça serait incroyable qu'il ait le masque euh, en mode. Euh, le, masque, le, le masque sanitaire euh, en mode. Justement, eh bien. Euh, masque de Yoru, ça aurait pu être très très sympa. Donc voilà pour les euh, news de la semaine, les amis, euh, les news à proprement parler. On va partir sur la euh, deuxième rubrique de l'émission. Je vois que je suis un petit peu en retard en plus euh, pour, euh, pour la deuxième rubrique et puis pour aller récupérer mon invité. On va partir maintenant sur la scène internationale. C'est parti, scène interne. C'est parti pour la scène inter, les amis. Alors, scène inter, on va remettre hop, hop, les assets qui vont bien. Les voici avec une première news. Alors, il n'y a pas vraiment de, de grosse, grosse annonce de mercato en ce moment, puisque euh, je pense que vous le savez, on a, euh, on a pas mal, pas mal de. Voilà. De, de choses qui sont en train de se préparer en ce moment, ce sont les champions c'est la fin de toutes les saisons à peu près et les rosters eh bien, vont commencer à euh, s'assembler mais dans le plus grand des secrets en ce moment donc très très peu de changements juste je voulais vous remettre cette, euh, cette, petite, euh, voilà, cette petite stat qui concerne les VRL uniquement et on a et euh, eh bien tout simplement je vais, pas vous la, je vais vous la mettre en grand écran parce que on a du mal à lire sinon. Hop, transition, transition incroyable avec euh, les amis. Voilà, quels sont les teams les plus populaires en termes de nombre de viewers moyens sur toute cette saison VRL 2022 Eh bien, c'est euh, assez peu de surprises. Là, K-Corp qui arrive en tête, un peu plus de 40 000 viewers en moyenne. Coy, euh, donc son alter ego espagnol, un petit peu moins de 39 000. Euh, Viewer de moyenne. En troisième, c'est également Cocorico Mandatory avec euh, Zerator notamment, 27,5 kilos. Et puis ensuite, on va retrouver Heretics, euh, Vitality un petit peu plus loin, les Giants, Footballist, Case et enfin les Mad Lions un petit peu plus loin dans le, euh, dans le classement de ce top 10 avec euh, néanmoins un peu plus de 16 000 viewers de moyenne. Donc ça reste. Assez, assez sympa, c'est euh, aussi euh, notamment sur, ce, sur cet axe-là que Riot va se baser, vous l'avez compris, pour pouvoir essayer de, de créer eh bien, une communauté et puis un viewership un petit peu stable, pour pouvoir rendre son produit, les VCT, euh, viable dans le temps. Petit crochet par la scène féminine et Game Changers, qui sont eh bien, justement dans les starting blocks en ce moment, je vous rappelle que... Pour cette saison 2022, on a trois étapes qualificatives, janvier, mai et septembre. Et nous sommes eh bien, à cette étape de septembre. Actuellement, l'étape euh, justement qui euh, va demander aux équipes de s'inscrire avant cette nuit, justement 23h59. Euh, pour l'instant, et il me semble que les euh, quasiment toutes les inscriptions sont faites ou sont déjà faites, puisque les équipes euh, qui voulaient prétendre aux game changers. On a un petit peu anticipé, il y a 113 équipes pour les Game Changers donc série EMEA, euh, 113 équipes, c'est énorme, ça fait plus du double de, de la dernière fois. Donc c'est très très impressionnant. J'aurai euh, en plus le plaisir si tout se passe bien de pouvoir euh, watch party pas mal de matchs euh, en fonction de voilà, en fonction de la disponibilité des différentes équipes. Etc. Donc ce sera, ce sera assez sympa, ce sera à suivre sur cette chaîne ici même. Euh, mesdames et messieurs, si cela vous intéresse, vous pourrez vous joindre à moi, bien entendu. Ces trois étapes qualificatives dans les Game Changers, eh bien, elles vont vous donner une finale, une finale qui sera en LAN d'ailleurs, ce sera entre le 15 et le 20 novembre. Elle est nommée les Game Changers Championship et elle se déroulera. À Berlin en physique, donc j'aurai euh, si j'ai un, euh, si un petit peu de chance, si les astres s'alignent, et eh bien j'aurai le plaisir d'aller là-bas en physique pour pouvoir euh, eh bien, encourager toutes nos équipes. Je vous le rappelle, on va se retrouver sur un top 8 mondial cette fois-ci. Donc deux équipes nord-américaines, une équipe euh, latine-amérique, une équipe brésilienne. On va avoir euh, également deux équipes euh, d'Europe, donc euh, EMEA une équipe euh, asie-pacifique et une équipe euh, asie de l'est, bien entendu. voilà pour un top 8 féminin qui devra, qui devra euh, voilà, se dérouler fin novembre. vous l'avez compris. on continue avec les vct, le circuit global. celui-ci, d'ailleurs, il n'est plus du tout à jour, ce calendrier. ça ne va pas du tout, mais ce n'est pas très, très grave. on a une annonce aujourd'hui, le, toutes, les, toutes les informations viennent de sortir justement, il me semble que j'ai une petite vidéo qui est quelque part un petit teaser pour parler de cette scène compétitive 2023, on la regarde en grand écran. Institution in three, two, one, zero. Voilà pour euh, cette petite présentation, euh, cette petite, cette petite mise en bouche justement. Et on va aller consulter un petit peu pour la suite. Alors, hop, on fait comme si, on fait comme ça. Voilà, très bien. L'avenir de la scène justement. Voilà, je vais un petit peu vite. Ici, l'avenir de la scène qui va nous être proposé. Alors, on va faire comme cela et je vais pouvoir. Mettre tout ça ici en grand écran. On va aller regarder justement bien le site de la VLR qui nous régale et qui va justement nous donner pas mal d'informations sur le nouveau format. Ça, tout ça, ça vient de sortir un petit peu. Il nous parle donc voilà de la popularité croissante de Valorant, bien entendu. Et on va avoir euh, le nouveau VCT. On va se regarder ça. On va se regarder ça. Je crois que c'est la vidéo YouTube ici.

Pour nous expliquer un petit peu donc voilà. Ils veulent créer un e-sport vraiment international, c'est vraiment leur idée d'ailleurs. C'est que, que le, le jeu devienne à la fois un show, à la fois un e-sport. C'est vraiment quelque chose de, de complet. On parle un petit peu des partenariats également. C'est vrai qu'ils sont en phase de sélection en ce moment. Pour, euh, en phase de sélection pour eh bien, voilà, compléter leur ligue fermée. Donc Ligue América, Ligue MEA, euh, donc Ligue Europe et Ligue Pacifique. Pas de, pas, de, pas de surprise par rapport à ça. Donc voilà, 30 équipes qui vont s'affronter dans euh, 3 nouvelles ligues internationales. Ça, je vous en avais parlé. Hein, C'est 10 équipes cette année, 11 l'année prochaine, 12, etc. Donc, voilà.

Toutes les équipes partenaires, donc les 30 là sélectionnées, vont être invitées à Sao Paulo au Brésil pour suivre plusieurs semaines de compétition au départ. Donc ce sera en février 2023. Et voilà, fini début mars. Donc le, les gagnants vont être qualifiés pour les Masters. In America's, we're see bon, a les constant trois. Stream of Donc voilà, il y a pas mal de storytelling également. Los Angeles pour la, pour la zone Amérique, du coup, hein, le continent américain. Berlin pour la zone Europe. Et enfin, Séoul pour la zone Asie. Euh, J'ai l'impression qu'il ne parle pas forcément de la Chine pour l'instant, mais euh, ça, croyez bien que la Chine sera au rendez-vous de Valorant sans doute en 2024. Voilà, des euh, commentateurs, des hosts, euh, une production qui sera à la hauteur, euh, bien entendu en fait il faut vraiment s'imaginer ça comme du comme du league of legends en fait on reprend vraiment cette formule qui a très très bien marché jusqu'à présent et donc voilà le split de la ligue internationale pour ces trois ligues là ce sera huit semaines donc deux mois euh, donc voilà, la, la ligue internationale se déroulera de mars à mai en gros, donc c'est ça, deux mois. En juin, les masters 2023. 2023. J'ai l'impression qu'il n'y en aura qu'un puisqu'ils appellent ça les ils appellent ça les masters. Donc c'est sera un genre unique les masters. Le les gagnants des masters sont qualifiés donc pour et euh, pour, pour les champions et ensuite on va avoir un last chance qualifier apparemment donc last chance qualifier comme d'habitude qui nous euh, nous offre euh, qui nous offrait eh bien un ticket pour les champions les trois KDC laissés en juillet, nous allons voir le début du tout nouveau tournoi Ascension. Ah, donc voilà, les Challengers, en juillet, ça va également euh, s'opposer en LAN. Pas mal de, de choses en LAN hein, qui sont prévues pour les Challengers, donc, qui s'appellent le tournoi Ascension. Donc un challenger en split 1 janvier-février et un, euh, un challengers en split 2 donc, qui va se dérouler sur la saison régulière euh, mars avril mai euh, donc voilà un petit peu le voilà un petit peu le, le calendrier global mesdames et messieurs avec les last chance qualifier en juillet et août septembre les champions comme aujourd'hui

Ok, très bien. Donc, voilà un petit peu les, euh, voilà petit peu le, les détails. Et donc écosystème, c'est un petit peu ce qu'on avait, qu avait pré-shot. Les événements mondiaux, donc qui, euh, qui sont, euh, qui sont les, les Masters, qui sont les Champions, Et également euh, les Ligues internationales. Les trois ligues dont on a parlé, qui font partie de la, donc voilà, de la paire, un mythe sur le côté, vous le voyez. Les Challengers euh, avec les, les tournois d'ascension vers justement ces ligues. Et enfin, le mode euh, compétition en jeu. Donc, c'est le fameux mode tournoi dont on, parlait, euh, dont on parlait un petit peu plus tôt. Hop, on va revenir sur moi. Voilà. Euh, donc, voilà, pas de, pas de surprise hein, par rapport à, à ce qu'on savait déjà. Euh, ici, début de saison avec le tournoi Invitational. Euh, donc, tournoi à Invitation, ce sont les 30 équipes qui vont être, euh, euh, qui vont être invitées pour le départ. Euh... Parfait, parfait. On me donne des informations aussi. Nickel. Donc les Masters ensuite assez bien fait je trouve le, leur leur petit site là. Je sais pas ce que vous en pensez. Donc les Masters voilà en juin et puis tournoi d'ascension ça on l'avait on déjà vu qui nous permettront pour les ligues les ligues régionales de grimper. Euh... Sur la, scène, sur la scène inter, les champions, toujours, euh, toujours le Graal, aller hein, chercher. Et puis on a également les game changers, je vous en parlais, qui sont, euh, qui sont toujours dans, le, dans, le, dans la boucle. Avec un calendrier. Donc saison régulière, janvier. Euh, Janvier-Mars pour les challengers. C'est bien ça. C'est bien ce que je vous ai dit tout à l'heure. Pas de surprise. Hop là. Hop là, hop là. Très bien, Ligue internationale, Los Angeles pour, le, euh, pour le, euh, le, 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 le continent amérique. Donc Séoul, là il y a un petit bug, effectivement, vous verrez sur le site, Séoul n'est pas du tout à Berlin et Berlin n'est pas du tout à Séoul. Pas de souci par rapport à ça, les Game Changers. Qui continue de nous régaler. Et puis l'intersaison, donc, euh, voilà, les tournois internationaux. Et euh, ça, je pense que. Ah d'accord, il n'y a rien d'autre. Très, bien, très, bien, très bien. Compétition in-game. Donc là, le mode euh, tournoi. Euh, voilà un petit peu, les amis, pour, euh, pour tout ce qui est. Pour tout ce qui est. Check, check. Check, check, check. Pour tout ce qui est l'avenir de cette scène compétitive de Valorant. Euh, eh oui, je pense être le seul mauvais en jeu. Effectivement, voilà, c'est une, une petite inversion, bien entendu, mais, mais bien vu. Mais bien vu, euh, Pour vous donner un ordre d'idée du côté nord-amérique, on a déjà une petite shortlist hein, sur les 10 équipes qui pourraient être invitées, notamment Optic Gaming, TSM, 100 Thieves, The Guard. Uh, « Sentinels »,« Cloud 9 »,« X7 »,« Version 1 » et « Evil Geniuses ». Là, il y en a 9 et donc il y aurait potentiellement une place en plus si ce sont les 9 bonnes, uh, bien entendu. Du côté euh, Europe, une information que j'emprunte à notre cher Coco. On aurait la liste suivante. Là, il y a un petit peu plus de monde. Donc, plus de prétendants. Et euh, les places sont un petit peu plus chères, bien entendu, puisque les équipes sont très très nombreuses en Europe, vous le savez. On a notamment Giants, Koi, Heretics, G2, Fnatic, Liquid, Navi, Big, BBL, Rogue, Excel, FPX, Falcons Heroic. Et pour nos équipes françaises, puisqu'il y en a deux, il s'agirait de Vitality et de Carmine Corp. Euh, avec euh, a priori vu les, vu les audiences une bonne bonne chance pour que Carmine Corp puisse être sélectionné ce serait euh, ce serait d'ailleurs vraiment excellent pour eux euh, donc voilà un petit peu pour euh, tout ça euh, pour, pour l'avenir de la scène je pense qu'il y aura d'autres annonces un petit peu euh, voilà qui vont aller compléter tout ça dans, dans les semaines à venir euh, et, euh, et on verra on verra on verra un petit peu. On en reparlera dans le Valo Webdo 79 de mercredi prochain. Euh, concernant le circuit des en lui-même, eh on est sur les phases finales des Champions, donc les Worlds, hein, le tournoi international de Valorant qui se déroule depuis le 31 août et qui va se terminer le 16 septembre. Le 16, c'est tout simplement... Ce n'est pas du tout le 16 qui se termine, c'est le 18, les amis. Ce sera ce week-end. Il a été décalé. Ce sera ce dimanche qu'on aura donc la finale et pour l'instant nous sommes en progression à travers les playoffs. Mais avant ça, pour vous donner un petit goût, un petit peu, voilà, de l'ambiance qui y règne, je vous propose quelques highlights qui m'ont euh, moi-même régalé. On regarde ça en plein écran. First crowd match for both of these. First teams, crowd. And it is so important here at Champions, right? The very first playoff match, and Leviathan and Loud both made it through in really good fashion. And the Verso still holding on nice. to what control he has on the left side of yellow. Oh! The tip top of the rifle. Whatever you want to call it. Pancada is doing so much work. Salah! What a maniac this guy is, a one-man army. This play, flash over the top, and Verso just did oh not God. know where he was looking, and a spray down. What a comeback for Loud to win map number one. That shows some absurd grit. And you know, for Loud, they put the first piece of the puzzle, but it's only gonna get harder from this point on. Not too much damage can be done for them. Reset, flick at the wrist, dodges it all down. They're gonna be happy with that, I think. CDS angle. Oh, ass-pass. Feels like he's cheated out of that one. It's created opening now for the players to get back in, but it's just down to Melzer. That's a crazy aggressive post plan for Loud. It feels like the confidence just was not there. 13 6, taking away the map pick of Leviathan. And Loud, these guys have come in with a goal, determined to try and break that curse, determined to say, we are the best in South America. This is it, it's the battle of the eggs. Is. It's time to find out which X is gonna give it to you. Angel still doing damage with Buzz on an absolute tear! Ripping up to shreds! Hamza Panzer and says there's nowhere to run and nowhere to hide. And we're tied all even twelve apiece. Prowler, not a problem just yet. Another way! Hope you didn't have plans. Anyone tuning in? I'm cancelling my plans tomorrow. DRX! It's only about one! 19 to 17 against FPX. This is a different DRX today. 10 seconds now. And they need more than this at all. Oh, maybe they got it! Stacks? Uh. Stacks? How? Stax is just feeling the game. Line them up, knock them down. Stax is in this, and DRX are up to seven. And it's from tears in the rain to singing in the rain. DRX carry on forward, breaking the curse on the stage. Et voilà pour les petits highlights. Je me suis perdu dans la régie, les amis. Euh, pour les petits highlights, du coup, de nos euh, champions qui, euh, bien pour l'instant, euh, voilà, battent leur plein. Typiquement, je vous le disais, on est sur la phase de play-off. Donc, c'est la, la fin vraiment de cet arbre du tournoi. Toujours en direct de la Volkswagen Arena à Istanbul et parmi eh bien toutes les équipes qui s'étaient qualifiées au départ, il n'en reste plus beaucoup. Aujourd'hui, on va regarder ça en grand les amis, voilà pour nous donner un petit peu une idée, mais aujourd'hui, euh, ce qu'il faut retenir eh bien c'est que dans le peur final, on va retrouver les Louds, les brésiliens euh, face à Optic Gaming, ils vont s'affronter, ça ce sera vendredi à partir de 4h. Vous aurez le match suivant, donc ce sera le lower bracket, Fun plus Phoenix contre DRX, donc les FPX, qui euh, aujourd'hui sont nos derniers représentants européens. Euh, ce qui est assez sympa dans l'absolu, je dirais, c'est que eh bien, voilà, pour les, les quatre derniers survivants de ces Worlds, de ces Champions, on a une, une équipe pour chaque continent, on a Sud-Amérique, Nord-Amérique europe et euh, asie également donc voilà plutôt plutôt intéressant plutôt intéressant et notamment euh, la, le petit euh, comme vous l'avez vu le petit euh, comeback euh, un petit peu miraculeux de drx qui se fait récupérer par loud euh, au départ et qui est en train de remonter absolument tout le lower bracket qui pourrait nous faire euh, une petite euh, voilà une petite histoire shonen comme on l'aime on verra ça on verra ça en tout cas, euh, prochain événement à Sao Paulo, celui-ci il sera euh, un petit peu plus proche justement que le tournoi de kick-off dont on a parlé pour 2023, c'est l'édition euh, 2022 du euh, Red Bull Campus Clutch, le tournoi étudiant sponsorisé par Red Bull, et la, la finale a été annoncée, ce sera à Sao Paulo a priori pour... 20 000 euros de cash prize pour la meilleure équipe étudiante donc, du monde sur Valorant. Les dernières, c'était euh, les Égyptiens de euh, Anubis qui avaient remporté justement ce tournoi-là. Voilà, petit tournoi de fin d'année qui est ici. Vous le savez, la fin d'année, c'est un petit peu l'espace le, le, libre justement pour Riot pour laisser arriver euh, les tournois tiers. Tournoi tiers, il y en aura un autre, le Red Bull Home Ground, donc édition 2022 également, qui se déroulera en Lannes par contre, à Manchester, effectivement en Grande-Bretagne. Vous vous souvenez un petit peu du, du format, notamment le fait de pour une équipe de désigner une map sur laquelle elle est très à l'aise et qui sera son home ground et qui va compter double. Euh, si, elle, euh, si elle le perd, qui compte simple si jamais elle le remporte. 64 équipes sont attendues ici et un open qualifier sera proposé. donc Toutes les équipes vont pouvoir venir se qualifier et participer à ce euh, tournoi-là. Ce sera une bonne, euh, une bonne occasion aussi pour les équipes euh, en formation, euh, qu'elles soient pro ou semi-pro, de se faire un petit peu la main. Et puis donc voilà, euh, début de saison VCT, j'en ai parlé, ce sera... Euh, ça, c'était un petit slide que j'ai oublié d'enlever, de, mais qui sera effectivement en février le, le tournoi de kick-off à Sao Paulo pour la saison euh, 2023. Ça va aller très très vite, les amis. Voilà pour les news de la scène inter. Je prépare les euh, assets pour la scène FR, puisqu'on part directement en rubrique française. Et puis, je suis un petit peu à la bourre, on accueillera notre invité de la journée. C'est parti, jingle, scène française. Hop là, jingle de la scène française qui est mis... Est-ce qu'on a les assets Les assets sont prêts également, c'est parfait. Il y a assez peu de choses hein. du côté de la scène française. J'ai eu, euh, finalement, il y a eu quelques échos, il y a eu quelques informations, notamment au niveau de cette VRL France, au niveau euh, justement voilà, des différentes équipes qui sont en train de se défaire, de se refaire. Il y a des petits, des petits teasings, un petit peu comme... Euh, celui de, de Mandatory Ici, on a pas mal de messages aussi de joueurs professionnels, notamment chez Bds par exemple, qui nous indiquent qu'ils sont euh, à la recherche d'opportunités, même si toujours sur contrat. Et donc voilà, on sait qu'il y a des petites rumeurs et des petites choses qui vont arriver euh, dans cette année 2023. On sait que le mercato est en place et que les choix ont été quasiment tous faits jusqu'à présent. Mais on n'est pas là pour, co euh, pour colporter un petit peu ce genre de rumeur là. Simplement pour vous euh, faire un petit rappel que eh bien, les deux nouveaux arrivants en termes d'équipe dans la VRL France euh, cette année seront Zerrance et Athletec, les deux équipes qui ont réussi à se qualifier grâce à l'up and down. Ça, c'était il y a quelques mois. Souvenez-vous-en. Voilà, petite piqueur de rappel, puisqu'on attaque, on attaque très très bientôt les joyeusetés, c'est pour ça. Euh, coup d'œil du côté de l'Open Tour de France. On verra bientôt eh bien, la septième étape de cet Open Tour de France. Euh, ça se déroulera donc le 15 et 16 octobre 2022. Toujours 1500 euros de cash prize à aller chercher. Bien entendu, n'hésitez pas à vous inscrire les amis. On a un lien euh, également qui va être... Disponible euh, pour la Coupe de France qui est adossée à l'Occitanie eSport. Euh, donc voilà, Coupe de France qui va se dérouler du 27 octobre euh, au 11 décembre. On attend 16 équipes justement dans le bracket final, bracket double élimination bien entendu. Et puis une finale qui se déroulera en Lannes, à Montpellier, en France bien entendu. Ça pourrait être intéressant d'aller faire un petit tour là-bas, ce sera le 11 décembre donc, et euh, eh bien, on a l'annonce, on a l'annonce du euh, cash prize qui sera de 2500 euros, on a de la billetterie également qui sera, voilà, disponible 10 et 11 décembre 2022, save the date comme on dit, et puis enfin, petit clin d'œil rapide bien entendu, puisque ce week-end, c'était le The Event de Zerator et Dash, et... Euh, on a, eu, euh, on a eu droit à un petit, euh, un petit Z Place, donc un petit espace euh, de mosaïque sur Reddit. Euh, et le petit marteau de Mandatory justement a eh été, euh, voilà, comme vous pouvez le voir sur ma gauche, a été repris plusieurs fois, très très sympa, bien entendu, de la part de, de la communauté, notamment qui suit Zerator, bien entendu. Puisque c'est son équipe à lui! Voilà pour les news françaises, mesdames et messieurs. Je vais euh, aller chercher mon invité en vocal. Et puis on se retrouve euh, juste après euh, pour petite séquence. Voilà, invité euh, avec notre. Euh... Oh, je ne sais pas si je l'ai dit d'ailleurs. Je ne vais pas le dire tout de suite. Allez, c'est parti Jingle de l'audité Et aujourd'hui, mon invité est Salva, le célèbre coach, ex-coach. Euh, comment vas-tu, mon cher Salva Est-ce que tu m'entends Oui, je t'entends très bien. Je vais très bien, merci. Et toi Eh bien, écoute, c'est parfait. Euh, je fais un petit réglage son, mais je crois que tout le monde t'entend également. Ça me fait très, très plaisir de te retrouver aujourd'hui dans l'émission. Je sais que euh, tu es l'un des, euh, des viewers les plus assidus et je te remercie. Euh, bienvenue à toi, bienvenue dans l'émission. Euh, bienvenue aussi à tous ceux qui, euh, qui suivent notre cher Salva et qui sont là aujourd'hui. Euh, en plus, je, je t'invite dans une émission dans laquelle ben voilà, on a pas mal de, pas mal de reveals d'infos. De, Il y a pas mal de choses qui viennent d'être découvertes, qui viennent d'être annoncées. Une fin d'année 2022 qui va être riche en Valorant. Et une, une année 2023 aussi qui va être qui va être pas mal pas mal euh, sympathique. Qu Qu'est-ce qu que tu penses un petit peu à chaud Voilà toutes ces annonces là qui viennent de poper euh, ces, ces dernières heures. Est-ce que tu vois est-ce que tu vois des, des choses qui te qui t'intéressent avant qu'on rentre un petit peu dans le détail Est-ce qu'il y a des choses qui voilà qui te plaisent un petit peu Comment tu comment tu vois ça ben, pour commencer déjà j'aime beaucoup l'ampleur que ça prend. Euh, je me souviens ouais. avoir déjà échangé avec toi sur ton chat il y a quelques temps, ou euh, d'après toi, pas avant 2023, 2024, tu donnais des, des détails un petit peu. Euh, pour toi, ça commençait et ça démarrait un petit peu plus tard. J'avais le feeling que pour moi, ça partirait un petit peu plus tôt, je ne sais pas pourquoi. Donc, je suis content vraiment de l'ampleur que ça prend, parce que comme euh, des grosses écuries qui se ramènent et qui, qui font des, des trucs sympas, comme on peut le voir sur les audiences que tu as encore présentées avant. Ouais. Donc, ça, pour moi, c'est un bon truc. Après. Juste petite parenthèse pour les managers qui pourraient être un petit peu en retard. Vendredi, il y a les inscriptions pour la Lyon eSport. Donc n'oubliez pas ça. Absolument. Euh, pour euh, pour mi-novembre. J'ai vu que tu peut-être pas mis dans le récap. Donc je, je fais une petite, euh, raison, petite par raison. parenthèse pour ça. et sinon, à part ça, rien, je me rien à signaler. Franchement, le jeu, le jeu démarre vraiment, euh, vraiment sur les chapeaux de rousse. Et... Je trouve que Riot fait un, fait un super taf sur ça. Et franchement, c'est rien à dire. C'est carré effectivement effectivement c'est là, euh, là où je me rends compte que euh, ils ont vraiment des plans en fait ils ont vraiment des plans on l'a vu euh, on l'a vu tout à l'heure un petit peu dans la vidéo de présentation je la, je la remettrai euh, pour nous les amis mais ils ont vraiment des plans euh, j'étais un petit peu plus tôt dans la journée sur le sur le stream de coco justement euh, corentin que vous connaissez qui, euh, qui est rédacteur éditeur chez VLRGG notamment. Et euh, il indiquait aussi, mettait pas mal l'accent sur le fait que voilà, Riot a envie de mettre en lumière, justement, euh, ben, à travers ces ligues-là, plusieurs équipes, de créer vraiment de l'engouement, de créer de la sympathie, de créer un petit peu de, de storytelling. Et euh, ils mettent vraiment le paquet, effectivement, sur toutes les strates. Euh, C'est vrai que... Mon naturel prudent m'avait euh, <laughs> peut-être fait préchoter que ce serait un petit, peu plus, un petit peu plus tard que prévu. Je pensais qu'ils allaient se laisser plus de temps que ça, qu'ils allaient peut-être voir un petit peu les, en fonction des audiences, en fonction des retours euh, financiers. Est-ce que euh, est c'était vraiment, euh, est vraiment ça qu'ils qu avaient envie de placer tout de suite euh, mais euh, bah effectivement, tu, tu as raison. Ils, ils sont partis. Ils ont l'air, ils ont l'air bien chaud. Ils ont l'air bien chaud maintenant. Donc ça me fait, ça me fait d'autant plus plaisir euh, et qu ne, justement qu'ils n'abandonnent pas non plus aussi les, les futurs talents de demain avec ce fameux mode tournoi, donc qui constituera la première, euh, la première brique, la première fondation justement de, de la compétition. Alors que je vois que dans le chat, effectivement, tout le monde aime beaucoup cette PP. <laughs> c'est vrai qu'elle est, qu est belle C'est vrai qu'elle est belle ouais, C'est pas, pas ça Mais en fait, fait Pendant mes vacances J'ai fait un petit, un petit délire Un petit vote à deux balles Pour, pour uh, le face reveal quoi, Parce que Tout le ah monde voudrait à chaque fois Voir ma tête Et je dis à chaque fois Que euh, ceux qui veulent me voir Ça se passe en LAN Donc euh, c'est toujours ça Et, et là bah, forcément Mon ancien manager Qui demande Si on me verra sur le live Je lui ai dit Ouais, ouais t'inquiète On va voir ma tête <laughs> C'est un petit bait Parce qu'il n'y euh, a pas de cam Il y a juste une photo Mais bon C'est sympa Absolument, absolument, absolument. Euh, bienvenue à tous d'ailleurs, mesdames et messieurs qui nous rejoignaient. Euh, ce petit mode tournoi du coup là que, qui va aller sélectionner un petit peu les équipes dans laquelle je, d'après ce qu'on comprend, il reste encore un petit peu flou hein, par rapport à tout ça, mais dans dans ce qu'on comprend, il va bah, il va nous être offert en fait pour toutes les équipes, qu'elles soient pro ou semi-pro d'ailleurs, euh, eh euh, il me semble de rentrer un document d'identité et ensuite d'aller constituer une team qui va jouer des tournois en interne à l'intérieur du jeu. Euh, il me semble que ça, ça se fait déjà justement sur d'autres euh, jeux e-sports style Rocket League. Je ne sais pas si ça se fait sur Counter-Strike, d'avoir vraiment quelque chose à l'intérieur comme ça. Allo, allo dit aucune, idée. Déjà, ah, aucune idée. idée. Ah oui, pardon. pardon je. Pour, euh, ouais. pour CS, je sais pas du tout. Euh, effectivement, mais ouais, je, je trouve ça assez. Euh, je trouve ça assez intéressant. J'ai la sensation aussi que. Euh, et alors, je. ne sais pas si ce sera une bonne chose ou pas. Qu'on va voir justement et eh bien débarquer beaucoup de beaucoup de nouveaux talents, beaucoup de jeunes talents euh, qui justement performent extrêmement fort en ranked et qui euh, vont et eh bien petit à petit se mettre à euh, au jeu d'équipe essayer de constituer une escouade et essayer d'aller euh, bien chahuter un petit peu euh, dans les équipes qui existent déjà ou euh, il, il va peut-être y avoir euh, il va peut-être y avoir ce ce paradigme là de euh, place aux jeunes quoi et euh, je sais pas si tu si tu as si tu partages un petit peu ce même ce même avis que moi par rapport à ça euh... Bah, par rapport à la ranked, il y, y a clairement des petites pépites qui arrivent, ça c'est clair et net. Après euh, le skill individuel c'est une part, pour moi c'est ça restera toujours moins fort, l'individualité restera toujours moins fort que le jeu d'équipe donc euh, si tu as des bonnes individualités et un, bon, un très bon jeu d'équipe forcément ça va ça va ça va tout casser mais autrement, euh, autrement le jeu d'équipe reste euh, on va dire plus fort pour moi donc euh, ouais. les joueurs ranked souvent ont un petit peu de mal à justement performer en équipe parce qu'il faut se concentrer sur les éléments de l'équipe se coordonner synchroniser faire des choses de ce, ce genre là et en fait ça demande beaucoup de ressources donc euh, ça demande un certain temps et une certaine expérience mais, mais ouais il y a des pépites qui arrivent ça clique très très fort et, et je, je trouve que la scène FR pour, pour faire une parenthèse là-dessus vraiment ouais. euh, un niveau individuel quand même assez élevé après, c'est plus sur justement l'aspect la, équipe, l'aspect euh, stratégie, où ça, ça pêche un petit peu par rapport aux autres scènes de mon point de vue. Quand on voit les OTF, le niveau individuel qui peut être donné par les équipes qu'on a pu voir juste avant, qui, qui ont fait les up and down, etc. Ouais, euh, ouais franchement, ça clique fort. Après, bah, j'ai vu que Zeran, ça fait un à essayer, je pense. Hein. Je suis pas du tout dans les insides, mais j'ai vu que Zéran a voulu un petit peu renforcer le jeu d'équipe. Je sais pas si Skaz a un petit peu donné des lignes par rapport à ça. Et pour les avoir joués sur le dernier OTF avec Lanik, je les avais vu beaucoup plus assidus sur l'aspect jeu d'équipe. Et du coup, forcément, je les avais trouvé un tout petit peu moins forts individuellement parce que euh, il y a beaucoup ouais. plus de choses à gérer euh, qu'ils n'avaient pas l'habitude en fait. C'est vrai que ouais, je partage totalement ton avis là-dessus. J'ai vu, euh, j'ai vu énormément de, de dingueries euh, au niveau individuel. Il y a beaucoup, beaucoup de joueurs qui sont extrêmement talentueux. Euh... Effectivement, avec le, comme tu le disais un petit peu, avec le temps, c'est des choses. Enfin, euh, la stratégie, l'esprit le, de corps, l'esprit d'équipe, c'est des choses qui vont se tisser. Euh... Mais euh, ouais, je trouve que je trouve que côté français, on a un très très bon terreau euh, pour euh, pour tout ça. C'est c'est aussi un petit peu le constat que j'avais fait à la Gamers Assembly, c'est la dernière LAN que j'avais faite, et effectivement, il y avait, il y avait plein, de, plein de belles, belles pépites. D'ailleurs, je vois Golan qui était là à ce moment-là. Euh, ouais, à voir, à voir un petit peu. Je suis aussi très, très curieux. Tu, vois, tu parlais de la scène FR et puis des Up and Downs, donc euh, Zérance et, euh, et Athletek qui, euh, qui, ont, qui ont réussi le, le passage, leur passage, justement, pour grimper. En VRL, en plus, il bénéficient du, euh, du, du siège libre que laisse OG, si je me souviens bien. Oui, ça. Et euh, donc, voilà, ça va être, être l'occasion pour, pour ces équipes-là et puis pour ces joueurs de, de muscler un petit peu le, le game. Euh, J'avais pas forcément tu vois, cette sensation que le, la strat était vraiment, vraiment un petit peu plus euh, en, en construction, en développement. Euh, mais c'est euh, sans doute quelque chose qui va, être, euh, bah, qui va être un petit peu travaillé justement puisque avec la VRL plus de, plus de temps, plus de cadres aussi peut-être pour se professionnaliser par rapport à ça bah, y avoir à... ça va être pas mal d'opportunités pour, euh, pour tous ces jeunes joueurs, ces jeunes équipes aussi ouais, Clairement oui après c'est euh, bah, les OTS qui... les, les gens ont beaucoup plus le temps de travailler leur mécanique que le jeu d'équipe parce que tout simplement c'est beaucoup d'étudiants de personnes qui travaillent à côté donc euh... Ils ont moins le temps, on va dire, des équipes pro qui sont la full time pour euh, pour compenser ouais. tout cet aspect-là. Mais euh, mais non non, ouais, il y, y a moyen que ça fasse de très belles choses euh, pour pour la suite. J'en suis convaincu. Je les ai déjà un petit peu vus à la à l'époque pour certains d'entre eux. Mm -hmm. J'ai pu échanger, sympathiser et... et les mecs savent où ils veulent aller. Ils sont, ils sont confiants donc euh, c'est très bon. c'est un bon point de départ quoi ok ouais moi je, je, je pense que tu as effectivement raison par rapport à tout ça euh, on, va voir, on va voir je suis, assez, je suis assez, euh, assez pressé de voir un peu comment le cette saison 2023 elle va se dérouler je suis aussi très pressé et euh, tu as bien fait de le préciser je me le suis noté hein, pour la, la Lyon e-sport qui va être le, le, prochain, le prochain tournoi d'autant plus que j'aimerais beaucoup y participer euh, vraisemblablement en tant que en tant que staff en tant qu'observateur si euh, si on m'en laisse, euh, laisse le loisir, Lyon, c'est pas très, très loin euh, pour moi. Et euh, j'avais pu, pu participer justement à celui de l'année précédente. Euh, la Lyon eSport, tu penses que ce sera un gros, gros rendez-vous justement pour notre scène française ah, qui est, moi, un banger. Moi, bah moi, ouais, moi, tu il penses va y avoir des très grosses écuries là. Là, je crois que vraiment le gratin français euh, va, va se pointer. Va, je pense que ça va taper sur la table, franchement. Euh... Je, je pense Excellent. réellement qu'il va y avoir peut-être pas des grosses, des grosses équipes, mais des gros mix en tout cas. Je pense que les Brahms et compagnie vont venir et vont, vont vouloir faire ce qu'il y a à faire. D'ailleurs, BDS, je ne sais pas trop ce qui se passe chez eux, mais euh, j'ai cru comprendre qu'apparemment euh, la structure, euh, je ne veux pas dire des bêtises, mais apparemment la structure apparemment, euh, souhaiterait arrêter sur Valo et du coup, c'est pour ça qu'ils cherchent tous, même le coach. mais... Euh, mais il y a moyen que ça fasse des gros gros mix et qu'il y ait des gros noms qui arrivent. Ça, ça j'en suis convaincu. Pour qu'ils augmentent les slots de 32 à 64, ouais. c'est qu'il y a une grosse demande. Très clairement, très clairement. 64, ça fait beaucoup d'équipes. Je sais ah que bon. euh, côté. Alors, la Lyon eSport est historiquement plus axée sur League of Legends. Il y a également énormément de très très grosses équipes françaises. Euh, ouais, à mon avis, ça va être, ça va être une dinguerie pour pour BDS. J'ai vu pas mal de, j'avais pas mal d'infos, notamment de, ben, de, ouais, les joueurs qui qui cherchent, euh, qui cherchent un nouveau contrat, un nouveau spot. quand j'avais pas entendu l'information comme quoi euh, le, la structure se retirerait peut-être du jeu. Euh, ouais, c'est dérondi après. Euh, ouais, c'est peut-être. Peut-être que c'est, euh, reculé pour mieux sauter euh, à ce moment-là mais euh, mais ouais carrément la Lyon e sport euh, prochain prochain rendez-vous est que euh, on aura le plaisir de s'y croiser si jamais euh, <laughs> si jamais c'est le cas Tout dépend tout dépend ce qui se passera par la suite euh, je, à l'heure actuelle j'ai strictement strictement rien de prévu pour ça d'accord euh, ce sera euh, peut-être en, euh, en tant que spectateur alors que alors, faire le déplacement en tant que spectateur je sais pas même si j'aurai quelques têtes à voir je pense mmh. euh, je sais que normalement j'ai euh, parce que c'est sur le ça commence le vendredi Ouais. Que une... Je sais que je ne pourrais pas y être tout le week-end, ça c'est sûr et certain, si jamais je devais y aller. Mais, euh, mais en tout cas, euh, ouais, pourquoi pas Clairement, ça me ferait plaisir de voir un petit peu du monde. Euh, J'ai déjà pu croiser quelques têtes à l'Afti, c'était sympa. On va dire qu'à l'époque là, on... j'étais peut-être un tout petit peu moins connu que maintenant, même si je suis encore rien du tout. Il euh, y a moyen de faire des trucs sympas à la Lyon si jamais j'y vais, clairement. Nice, nice. Bah écoute. Euh... Espérons, espérons-le. Euh, on, on va se tenir au courant par rapport à ça. On a aussi du coup la Coupe de France euh, un petit peu plus euh, un petit peu plus tard euh, qui euh, qui a été annoncée. J'ai cru voir en plus sur le Discord du Valotf que euh, effectivement euh, voilà, les qualifieurs euh, les qualifieurs donc qui seront le 15 et le 16 octobre. C'est cette, cette étape numéro 7, pardon donc qui va qui va constituer un petit peu le début de. J'ai l'impression. De, de ce tournoi de, de Coupe de France. J'ai un petit peu de mal à déchiffrer ce format d'ailleurs. Euh, mais ça a l'air d'être lancé. Euh, voilà pour cette étape numéro 7. Euh, je ne sais pas si... Non, il n'y a pas encore de participants d'inscrits, mais euh, on, on va voir un petit peu comment ça va se passer. Pour cette, euh, ouais, pour cette étape cette Coupe de France qui sera à Montpellier aussi et en fait je, je suis, je suis dans, un, dans un mood en ce moment où il commence à y avoir pas mal de petites LAN bah, comme celle-ci, pas mal de petits événements valo euh, en physique et euh, j'ai très très envie d'aller d'aller voir un petit peu voilà tout ça euh, à chaque fois de pouvoir y participer soit en tant que spectateur soit autre et, euh, et c'est pour ça que ça me, ça me plaît toujours autant finalement. Euh, le jeu et sa scène, c'est que voilà, il y a de plus en plus de choses et comme tu, euh, comme tu le disais, que ce soit là au niveau inter ou plus au niveau eh bien voilà national régional, euh, ça, ça bouillonne toujours autant en fait autour de ce jeu et même euh, même après deux ans euh, même après deux ans le, le souffle le soufflé n'est pas retombé il y a toujours un, un gros engagement il y a toujours euh, voilà de la passion donc ça c'est plutôt très très positif et surtout pour la suite je pense. Que on, je pense qu'on en est qu'à son début en fait. Hein. Mm -hmm. Riot est en train de mettre, euh, mettre le paquet euh, sur, sur Valo. Ils sont en train de développer ça comme il faut. Pour moi, ils prennent le temps de faire les choses correctement. Même si je l'ai déjà dit, je trouve, que, je trouve que ça se développe vraiment vite en fait. Parce qu'en ouais. peu de temps, il y a énormément de maps et de champions qui sont arrivés. Euh, là, il y a encore euh, Mage ou Mage, je ne sais pas comment on dit, qui va sortir. Euh, mm -hmm. bah, franchement, non, c'est fort. Après, euh, ben, à voir dans le temps. Je... Et On dit euh, pareil euh, que ce bah, serait peut-être le même système que lol avec des piques et ban sur les champions. Si jamais ils mettaient ça en place, euh, euh, ça pourrait casser beaucoup de plans, beaucoup de stratégies. Donc, euh, à voir s'ils veulent le faire ou l'adapter sur Valo ou ne c'est pas du tout. Mais non, non, pour moi, ouais, non, c'est que le commencement. Euh, plusieurs personnes qui, qui, qui ont arrêté d'autres jeux pour justement venir sur Valo parce que ils voient que c'est prometteur et qu'il y a ouais. quelque chose à faire. Donc, euh, non, non, c'est. Vraiment, je, je pense qu'il y, y a quelque chose de très 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 puissant et fort qui va se créer sur Valo. Je, ce jeu a un bon futur, a une bonne une bonne hype et ça, ça a pas l'air de baisser quoi. Effectivement, ouais, je partage un petit peu cet avis-là. Euh, justement, ce, ce nouvel agent mage, enfin moi je l'appelle mage, mais c'est mage effectivement. Enfin, on ne sait pas. Contrôleur donc. Euh, qui va qui va les rejoindre un petit peu les euh, les Astra, les Brimstone, les Omen Je ne parle pas forcément de Viper qui euh, pour moi est un petit peu entre entre Sentinel et, et Contrôleur. Euh, qu'est-ce que qu'est-ce que tu imagines un petit peu pour ce ce nouvel agent là Est-ce que est-ce que c'est une bonne situation ça Contrôleur euh, est-ce qu'il est qu y a des mécaniques, toi qui, toi qui connais bien le jeu en profondeur, est-ce qu'il y a des mécaniques, par exemple, en tant que contrôleur, qui est, sera encore un petit peu manquante et qu'on pourrait peut-être retrouver avec plaisir sur ce nouvel agent bah, Difficile à dire. À l'heure actuelle, selon moi, chaque, chaque smoker, parce qu'on va dire contrôleur, c'est plus ouais. le rôle smoker, on va dire, euh, ouais, ouais. Euh, on va dire à ses qualités... Euh, le Brimstone, ça va être plus pour des prises rapides sur site. C'est le seul champion qui peut être pop 3 smokes à, à l'instant T. Ouais. Donc euh, ça va être des prises rapides et plus joué en retake derrière. Après, euh, le Omen, ça va être plus pour le déplacement, les one-way, ce genre de choses. Et après, Astra, ouais, le, nerf, lui, le nerf lui a fait très mal. Mais est elle a encore pas mal joué quand même. Hein. J'étais étonné qu'elle soit autant sortie, même si c'est pas beaucoup, mais autant sortie sur les Champions. Euh, c'est beaucoup plus axé teamplay et tout ça. Donc. Euh... Pour moi, ils ont chacun leur, euh, leur avantage et inconvénient comme chaque champion. Après, à voir ce que ce nouveau champion pourra apporter, je j'ai aucune idée. J'ai vraiment pas de... J'ai rien entendu, rien vu par rapport à ça. Mais euh, ouais, non, ça, ça peut être très intéressant parce que euh, y a constamment, chaque champion apporte de nouvelles mécaniques ou de nouvelles options. Et euh, ce ouais, nouveau champion pourrait euh, justement euh, changer la donne. Il pourrait faire un petit peu le truc. Euh, effectivement, moi je suis, euh, je suis très très... Euh... Je suis très très curieux, justement, très très en attente, parce que c'est... en plus c'est un rôle que j'aime beaucoup à titre personnel. Le, Le Smoker, c'est un... un rôle, je trouve, qui... qui est un petit peu essentiel. Et euh, ouais, j'ai hâte, hâte de voir ça. J'ai hâte de voir ça. On va... on va voir. On va voir un petit peu. Est-ce qu'il y a des choses euh, On parlait un peu de la scène, ben, voilà, justement, de la scène inter que Riot développe euh, rapidement, mais pour l'instant qu'il développe très très bien. Est-ce qu'il y a des choses Selon toi, qui pourrait faire justement pour euh, bien aller euh, pour faire encore mieux ou des pièges à éviter Est-ce que est -ce que si tu étais un petit peu aux manettes de cette division e-sport euh, de Valorant, est-ce qu'il y a des choses voilà que tu ferais ou d'autres que tu ne ferais pas Alors, hum, <laughs> je trouve que déjà le fait de demander aux équipes VCT une section féminine et académie, c'est déjà un très bon départ. Ouais. Euh, après, euh, c'est vraiment dans la formation et dans le, dans le suivi des équipes. Pour, euh, on va dire, avoir quand même coaché quelques joueurs sur la scène française et autres. Euh, principalement, ce que les joueurs font remonter, c'est qu'effectivement, le staff. Il euh, bah, y, y a quand même pas mal de fraude. Le terme souvent utilisé, c'est ça il y a pas mal de fraude. Alors, je oh. ne considère pas être euh, au, plus haut que je ne suis, mais, mais du coup, ouais, c'est plus sur l'encadrement le, ou sur le. Sur comment aider les joueurs, ou pour moi Riot pourrait peut-être proposer quelque chose. Quoi, j'ai pas vraiment d'idée précise, mais euh, éventuellement des, des, des stages de formation, des choses de ce style-là. Je sais pas si c'est viable, envisageable, en sais rien du tout, mais, mais pour moi, c'est plus au niveau de, du staff qu'il qu faudrait faire quelque chose. Les, les structures commencent enfin à, à vraiment chercher du staff, des, des managers, des coachs, etc. Il y a vraiment une demande énorme. Ouais. Euh, donc c'est déjà une bonne chose. Pour moi, là, on va arriver à un tournant. Euh, à arriver en 2023 où euh, vraiment les équipes vont, vont vraiment avoir les fondamentaux d'acquis, euh, faire euh, ce qu'il faut pour, pour développer un jeu qui permet, de, qui permet on va dire, de, euh, de pouvoir répéter en fait des choses qui vont durer dans le temps et pas à tout miser sur le skill individuel, ce qui fait des fois à l'heure actuelle selon moi. Ouais. Et euh, là ouais je pense que c'est plus sur cet aspect là qu'il faudrait se concentrer effectivement on nous demande effectivement quel genre de fraude alors on ne sait plus la notion d'imposteur euh, je ne sais pas comment on pourrait dire euh, ouais, ça Ce c'est bah pas un imposteur mais c'est il euh, des... y, y a le retour des joueurs moi j'ai aucun avis là-dessus je n'émettrai aucun pseudo ou je ne sais quoi on n'est pas là pour ça mais de l'avis de certains joueurs qu'on a pu voir passer ben des personnes se, se désignent bah, tout simplement, ça reste lié à Sport. Hein. Mmh. C'est désigne coach, c'est désigne manager, mais n'ont pas peut-être peut-être pas forcément les compétences ou les connaissances pour euh, faire ce qu'il y a à faire, tout simplement. C'est ouais. comme ça que je, je, le, je le dis C'est vrai que c'est euh, c'est euh, c'est un point intéressant que tu que tu soulèves parce que justement ce rôle de staff là, il est à la fois essentiel et un petit peu sous-côté. C'est un rôle de l'ombre. Il est parfois un peu ingrat et euh, euh, en fait j'aime bien recevoir dans l'émission justement euh, beaucoup de gens du staff. Il y a toujours eu euh, pas mal de coachs, pas mal de managers, pas mal euh, voilà, de gens euh, ou des capitaines, mais vraiment, vraiment des gens qui, qui ont une vision un petit peu globale de chaque équipe. Et ça reste, euh, ça reste ouais, des, des rôles un petit peu clés, mais des rôles un petit peu... Euh, un petit peu chaud à récupérer puisque c'est beaucoup d'expérience c'est beaucoup de c'est beaucoup de temps aussi qui est requis il y a pas mal de il y a pas mal de choses à faire il y a pas mal d'humains aussi à gérer c'est pas toujours des pas toujours des, des rôles faciles à euh, ouais, faciles à tenir et puis il n'y a pas forcément de formation non plus c'est un petit peu ouais c'est un petit peu sur le tas qu'il faut euh, qu'il faut faire le peut faire le taf donc euh, ouais c'est c'est toujours un petit peu compliqué ce, ce sujet-là. Euh, à, euh, à mon modeste niveau, j'avais euh, eu l'opportunité de, de coacher une joueuse, euh, une joueuse pro qui aujourd'hui d'ailleurs euh, a, très, très euh, a très très bien réussi. J'en suis très content. Mais moi n'ayant pas forcément l'expérience requis, euh, je me suis bel et bien rendu compte que... Euh, en ne, en ne coachant qu'une seule personne d'ailleurs, ça demande énormément d'énergie, énormément de travail, et puis il y a des notions sur lesquelles euh, ouais, tu, dois être, tu dois être expérimenté selon moi pour pouvoir faire, pour pouvoir faire le taf. Euh, pas toujours évident, je pense pas toujours évident. Euh, s'il y, y avait une usine, s'il y avait une, une formation effectivement pour le staff, ce serait plus simple, mais je ne sais même pas si ce serait créable. Ce serait fabriquable ah, ce, ce genre de formation. Ça existe déjà. Hein, ça existe C'est vrai ouais, ouais, pour, en pour en suivre une depuis plusieurs mois, ça existe déjà. Euh... D'accord. Euh, bah, pour ceux qui veulent se renseigner, c'est Next Level eSport, euh, abréviation NLE. Ouais. Où, euh, bah, toutes mes équipes le savent. Tous les jeudis, j'étais absent parce que justement, j'étais à ce genre de formation. Et, euh, ok. Ça existe et ça se met déjà en place. J'ai cherché, j'ai contacté certaines personnes pour essayer de le mettre en place en France avec des, des sessions françaises parce qu'on le sait. Nous les Français, on n'est peut-être pas très à l'aise en anglais, parce que malheureusement mm -hmm. c'est anglais, quoi. Ouais. Mais euh, non, non, il y a des choses qui se mettent en place, en train de se développer. Je pense que ce genre de, de formation, ce genre de choses-là vont, vont petit à petit se développer. Après, c'est toujours pareil. Est-ce que les structures vont mettre les moyens pour former leur staff Est-ce que on va constamment rester sur l'habitude, sur on va dire, que d'anciens joueurs deviennent staff et qu'on fasse le, un petit peu la boucle de ce style-là Je ne sais pas, à voir. Ouais, non, non, il y a déjà des choses qui se mettent en place. Avec les anciens joueurs qui deviennent euh, justement membres du staff, c'est un petit peu le, le parallèle avec le sport traditionnel où, ouais, euh, fin, de, fin de carrière e-sportive, euh, e du coup, euh, ils euh, euh, il diffusent un petit peu voilà, leur savoir, leur connaissance, leur XP, euh, ce qui n'est pas forcément une, une mauvaise chose aussi. Je pense à, à Sean Garres, je crois, c'est le cas. Euh, c'est le cas pour lui. Qui était ancien joueur et qui, euh, qui est devenu coach. Euh, ouais, effectivement, intéressant. intéressant euh, et voici Zampoyo, bienvenue. Euh, les anciens joueurs qui deviennent casteurs puis staff. Et effectivement, effectivement. Moi, je suis toujours très, très curieux de ça, puisque, eh bien n'ayant pas, pas de passé euh, en rapport avec la compétition e-sportive, je découvre un petit peu tout ça avec des yeux tout neufs. Et, euh, et effectivement, il y a pas mal de, il y a pas mal de choses. Les anciens joueurs qui deviennent casteurs. Euh, je pense à Lowe d'ailleurs, à euh, est comment est-ce qu'il s'appelle, est Mathieu. Ouais. <laughs> euh, qui, euh, qui s'est bien débrouillé d'ailleurs. Euh, je trouve personnellement au, au cast euh, pendant ces, ah oui, pendant ses champions, il était très très pertinent. Je, je voulais lui, euh, je voulais lui faire un petit tweet du genre, euh, bravo. Euh, quand est-ce qu'on te revoit? Twini aussi, ouais. Twini, j'avais eu l'occasion de, euh, j'avais l'occasion en plus de le rencontrer IRL. C'est quelqu'un que j'aime beaucoup. Euh, J'aimerais bien, bien le, revoir. Mais euh. je me souviens pas qu'il avait casté Twini par contre. Il me semble pas, mais je pense qu'il a fait le lien sur euh, ancien joueur, euh, coach quoi, en fin de staff. Ah oui, tout à fait, ouais, ouais, ouais tout à fait. Il était chez Tenstar. Il était chez Tenstar. Il a, il a, mené notamment les Tenstar Nova à, à, une, à une double victoire européenne. Est il, il est sur le Discord uh, VSTEMA uh, de PV, ouais. Il la cassé quelques fois. D'accord, je je le savais pas, tu vois. Wallax de chez BDS aussi, en effet, en effet, en effet. Euh, mais ouais, on a un petit un petit vivier de talents quand même en France. Je trouve que c'est on a même si notre scène française elle est on va dire relativement petite, euh, on trouve beaucoup de gens qui sont très très passionnés. Bah, c'est la base, hein, quand euh... Quand on va dire, t'arrives pas à en vivre, euh, on va dire à, à avoir quelque chose qui te permet d'en vivre, eh ben, c'est la passion qui, te, qui fait le reste. Tu, tu fais ce vrai. que tu peux à côté, euh, ben, quand même pour vivre et être euh, dans une mini un minimum de zone de confort. Après le reste, ben, ta passion, euh, j'en connais qui t'arôdent le jeu, mais comme jamais, c'est juste incroyable. C'est dès qu'ils ont cinq euh, minutes, 10 minutes, euh, ils n'ont pas le temps d'aller faire une enquête, je sais pas quoi, mais ça part en pépé, ça travaille, ça fait des choses. C'est c'est juste incroyable le, le, ouais, le, ah, le niveau d'engagement de ouais. ouais clairement ah, ça me c'est c'est ce qui me c'est ce qui m'impressionne toujours un petit peu et euh, ouais le de, le niveau d'engagement par rapport à voilà je prends du temps etc c'est euh, c'est ce que j'admire le plus effectivement c'est ce que j'admire le plus c'est ce que j'aimerais pouvoir faire aussi de temps en temps en, en perso je pense que tu es un peu comme moi euh, pouvoir trouver du temps de temps en temps pour euh, voilà pour euh, euh, pour faire ceci, pour aller gratter un peu le, dans le jeu, ou pour simplement lancer quelques parties. Euh, ça fait toujours plaisir. Ça fait toujours très, très plaisir. Mon euh, cher Zalabas, je vais te poser la question la plus dure de l'émission. Maintenant, euh, je vais te donner une lampe, une lampe magique, comme une lampe d'Aladin. Mais c'est marqué Riot Games dessus. Tu frottes la lampe et un génie de Riot en sort, il te propose un et un seul vœu à exaucer en rapport avec le jeu. Que ce soit le jeu en lui-même, que ce soit la scène FR internationale, européenne, que ce soit quoi que ce soit qui est juste un rapport avec le jeu, quel serait... Euh, le souhait que tu, voudrais, euh, que tu voudrais exaucer si ça peut t'aider pour les euh, en général les réponses à une époque tournée euh, beaucoup sur le run and gun non, ça, je... ça ça tournait euh, voilà pas mal autour de euh... ouais voilà, c'est très dérangeant je le conçois mais après ça reste euh, ça reste des choses qui se passent euh majoritairement sur le net, quand on mmh. être tous en LAN et que euh, tu es vrai. arrivé à un certain niveau, tu n'as plus trop cet impact-là. Donc euh, c'est très ennuyant, je le conçois, mais c'est pas avec ça que j'utiliserais, on va dire, mon, mon, mon coup de baguette magique-là. Ok. Euh, pareil, je vais rester sur le, le délire du staff, mais pour moi, si j'avais la possibilité de faire quelque chose ou quoi, ce serait vraiment de, de faire comprendre, je sais pas par quel moyen, mais de faire comprendre aux joueurs que euh, ben que tout simplement, faut, il faut se donner les moyens d'y arriver. En fait, beaucoup trop de personnes euh, font ce qu'elles ont à faire, ouais. elles restent dans leur zone de confort, elles n'ont elles, elles pas envie de, de, de faire plus spécialement que ça. Et à la moindre complication, et eh ben ça, ça give up et ça se dit toujours que l'herbe est plus verte ailleurs. Et on l'a pu le voir sur ces autres, sur tout le circuit d'OTF où euh, il y a je sais pas combien de mix euh, d'équipes qui sont défaites, refaites, cherchaient des joueurs, ça partait, ça revenait, ça faisait que ça. Il y avait vraiment que très peu d'équipes qui ont pu durer dans le temps. Et le simple exemple que je souhaite donner, c'est, eh ben, pour regarder les équipes qui ont tenu le top, bah c'est celles qui sont restées majoritairement dans l'ensemble, c'est celles ouais. qui sont restées le plus longtemps ensemble. Qui ont travaillé euh, et, qui ont, et qui ont essayé de solidifier un petit peu le 5, du coup. C'est ça. Quand, euh, quand tu, euh, on va dire la, la facilité toujours, et c'est peut-être dû au jeune âge de certaines personnes. Hein. Moi, je suis un petit peu un boomer, donc j'ai une autre vision, mais. Le principal problème, c'est toujours de quand ça marche pas. Les, personnes, les gens ont l'habitude de chercher des coupables et de chercher des solutions. Donc, euh, vrai. si on change cette mentalité-là, euh, je pense qu'il y a moyen de faire vraiment de grosses choses parce que, comme je l'ai dit mécaniquement en France, on n'a pas envie à grand-chose en vrai. Effectivement. Bah, écoute, ça me paraît pas mal. Euh, notre chat nous dit que les gens doivent s'intéresser plus à e-sport. Euh, c'est vrai, c'est vrai, euh, en, tu vois, en prenant un petit peu de recul, effectivement l'e-sport ça reste quand même quelque chose de niche, dans l'absolu, le jeu vidéo est déjà de niche, euh, l'e-sport c'est vraiment, euh, le, vraiment le, nectar, euh, ouais, le nectar du jeu vidéo, et euh, c'est pas, pas facile de le rendre un petit peu digeste. Euh, ouais, typiquement, euh, les amis, le Valo Hebdo, cette émission que je fais chaque semaine, elle est un petit peu là pour ça, c'est pour arriver à, à rendre Digest, à essayer de, de faire remonter des informations facilement digérables euh, et puis facilement compréhensibles aussi à un public qui, euh, qui connaît peut-être pas forcément. Donc euh, ça, c'est mon moyen, à moi, pour l'instant, que j'ai trouvé pour, pour rendre un petit peu l'e-sport euh, Digest, mais effectivement pour, pour que les gens puissent s'intéresser un petit peu plus, il faudra du temps, mais euh, Riot met plutôt les moyens pour l'instant, pour... Euh, pour en tout cas le, le marketer, le vendre, cet e-sport valo. Euh, enfin, je trouve. Euh, enlever le ping diff, tout à fait. Ils sont en train de travailler là-dessus, Golan. Ils en, ils en avaient parlé il y a quelques temps. Ils en avaient parlé il y a quelques temps. Euh, effectivement, de... Moi j'avais même imaginé dans ma tête, essayer de, de matchmaker les gens en fonction de leur ping. Euh, de, faire une, ouais, de faire une sélection supplémentaire pour que euh, justement les, les joueurs à Hoping soient tous, euh, soient tous réunis sur le, sur le même endroit ce qui n'est pas facile on est d'accord notamment en très très haut niveau puisqu'il y a très peu et beaucoup moins de, de joueurs que, que dans le, dans le ventre mou là quand on est en silver gold euh, euh, parmi les allez, parmi les 14 millions de joueurs, on va dire sur le continent européen, il doit y en avoir 6-7 millions. Donc c'est plus facile à matcher. Mais effectivement, quand on est dans les IMO3, ouais, euh, cool. les, ouais, les radiants, là, c'est plus dur, de, plus dur de, si tu, de matcher. Si tu incrémentes quelque chose avec le ping et que déjà, maintenant, ils ont mis le délire enfin, ils ont mis l'option où tu peux ban des gens. Et qu'il y a déjà des personnes sans ça qui avaient des queues phénoménales, c'est juste tu lances le jeu et tu y joues jamais en fait. C'est compliqué. Hein. Ouais. Ouais, ouais, effectivement. <laughs> Donc, valide avec validation en effet. Euh, hello Roby, je, je crois que c'est salué. Euh, et Flo me dit, tu y arrives très bien. En plus, euh, ben, voilà, Flo qui est, dans le, qui est dans le chat, qui ne connaît absolument pas Valo, mais qui euh, vient de temps en temps. Donc, si j'arrive à bien, à, à bien euh, vulgariser, c'est pas mal du tout. Je te remercie. Euh, je suis sûr que les équipes EU perf un petit peu moins en EU à cause de ça. Ah, c'est possible. C'est possible, c'est possible. Ah, mais il y a très très clairement quelque chose à faire par rapport à ça. C'est euh, un petit ressenti un peu global. J'ai même vu Brahms, je crois, tweeter il y a quelques temps. Hein. Ou XMS. Je crois que c'est XMS euh, qui, euh, qui faisait un petit commentaire sur le tout dernier écran Zoe à 360 Hz. Incroyable et qui nous disait effectivement, l'écran est fabuleux, mais tant qu'on aura du gros ping diff et quand, tant qu'on se fera décaler par des gens à 80 ping, les 360 Hz sont peu, euh, sont peu euh, essentiels. Et le Ous, bienvenue. Mais ouais, euh, bah écoute, on, on va voir un petit peu comment ça va se. On va voir un petit peu comment ça va se passer, mon cher Salva. Euh... Je ne sais pas si on peut le dire. Si on peut le dire là. Deux. Le fait que, que, tu vas, que tu vas aider un petit peu justement à, bon, si euh, à améliorer. On... on va ben, ben, bah écoute... Je vais profiter un petit peu de ce timing, mais oui. si tu permets. Vas-y, je t'en prie. Je prie. Ouais, ben, comme j'ai déjà pu l'annoncer à certaines personnes, euh, on va dire en, entre quatre yeux, même si, euh, y avait rien eu de... même si je ne les ai pas vus, IRL, euh, ben, je pense avoir fait le tour sur euh, la scène Valo en tant que staff. J'ai encore des offres en cours, mais je ne pense pas vraiment y donner suite. Et du coup, je pense que clairement, je vais arrêter là sur euh, ce qui est coaching. Donc mm -hmm. euh, ben restant un passionné comme tu l'as dit avant, restant passionné, j'ai quand même des disponibilités qui pour moi pourraient être intéressantes. Donc euh, je pense que je vais plus maxer vraiment sur euh, on va dire sur euh, aider euh, des personnes comme toi qui sont passionnées, qui font des choses intéressantes pour la commune, qui font tout ça. Donc je vais essayer de t'aider comme je peux, éventuellement voir si je peux éventuellement euh, sachant que j'ai un matériel pas trop dégueu, une bonne connexion, faire euh, de l'ops un petit peu pour des, des, des sessions d'OTF, des trucs comme ça, je sais pas, je vais J'essaie de contacter un petit peu à droite à gauche, voir euh, ce qui est possible de faire. Et voilà, je pense que euh, niveau coaching, j'ai fait le tour et j'ai ouais. plus spécialement cette, cette hype et cette envie, euh, comme tu l'as dit. Quand c'est humain, ça reste très compliqué. C'est vrai. Les personnes que j'ai adoré et avec qui je me suis très bien entendu pendant des mois, il euh, y a une tendance à, à moitié finir en drama à chaque fois pour je ne sais quoi. Donc. Euh, je fais le tour on va passer à autre chose. Il est, temps de, il est temps de démarrer une nouvelle aventure. C'est ça. Euh, très bien. Donc effectivement, euh, mon cher Salva, tu, tu vas m'aider un petit peu à améliorer l'émission. Euh, tu, as, tu as toutes les compétences et tout mon euh, soutien. Euh, je suis d'ores et déjà très très content justement que tu, euh, que tu puisses m'aider sur, ce, euh, voilà, sur cet axe là. Euh... Écoute. S'il n'y a rien d'autre, je, je vais te proposer, euh, proposer qu'on qu clôture ici et euh, je passerai à la dernière rubrique de l'émission. Est-ce que vous avez des questions, mesdames et messieurs, dans le chat pour Salva, euh, qui est ici présent à votre écoute avec des très très belles lunettes de soleil noir <laughs> il ah, y a beaucoup de personnes qui voulaient voir une, une tête donc euh, ouais, on a écoute, mis la photo que j'ai mise cet été sur mon compte Twitter et voilà c'est ça qui est beau c'est ça qui est beau il ouais, n'y a pas spécialement de questions je pense ouais, je pense que ouais pas mal de pas mal de monde euh, de connaît déjà c'est pour cela euh, il me reste qu'à te remercier une fois de plus d'être euh, d'être venu dans l'émission c'est euh, un plaisir et ben écoute on va de toute façon on va... On va rester en contact, bien entendu, et euh, il y aura sans doute euh, même euh, la rubrique de Salva dans, dans l'émission, peut-être. Bientôt, on ne sait pas, on ne sait pas. Allez, on on va, faut on, il faut qu'on réfléchisse, il faut, que, il faut que je lise un petit peu euh, voilà tout, euh, tous, les, euh, tous les retours que tu pourras me faire. Je te souhaite une excellente soirée, et puis euh, bah, écoute, je, vais clôturer, euh, je vais clôturer notre Valo Hebdo du jour. Ça marche. Bah, merci beaucoup pour l'invitation. Bah, on reste en contact et puis à bientôt tout le monde. Avec plaisir. Au ciao, bon. ciao. Voilà notre cher Salva, euh, coach euh, qui euh, raccroche les gants de coach, justement, qui euh, nous a fait le plaisir d'être notre invité aujourd'hui. Euh, on va simplement se terminer avec l'agenda de la semaine. C'est parti pour le jingle. Agenda de la semaine, mesdames et messieurs. Hop là, avec les assets qui vont venir. Est-ce que je les ai mis oh, Je ne sais pas si je les ai mis. Si je les ai mis. Je les ai mis. Ils sont ici. Ils sont ici. Ils sont ici. Agenda de la semaine, ça va être très très rapide. Hop, hop. Alors, est-ce que je peux l'afficher Oui, c'est bon, ça s'affiche. Mais là, pourquoi ça ne s'affichait pas la nouvelle version d'OBS qui, qui est un petit peu, encore un petit peu buggée, hein, bien entendu. Euh, premier euh, rendez-vous que je vous invite à aller euh, à les récupérer justement dans l'agenda, c'est le Game Center Online, le GCO, les copains, qui organise leur euh, tournoi 2v2 euh, dominical. Ce sera donc ce dimanche-là, à partir de 14h. Euh, donc voilà, n'hésitez pas à aller vous inscrire. Vous avez... Euh, vous avez le lien sur leur Discord, si vous voulez le lien, eh bien, je vous l'enverrai dans le chat à la fin de l'émission. Et puis le deuxième rendez-vous, bien entendu celui que je, je vous invite à euh, ne pas manquer, ce sont les champions d'Istanbul, bien entendu, euh, qui, euh, voilà, qui sont en train de, de se terminer et euh, qui, vont, euh, qui vont avoir lieu. Euh, Jusqu'à la fin de la soirée, euh, jusqu'à la fin de la, de la semaine, pardon, et du week-end. Il me semblait que ça, que ça continuait aujourd'hui. Euh, pour vous donner les dates et les heures précises, et eh bien, ça attaque vendredi, donc vendredi 16, à 4 heures de l'après-midi. Et vous aurez ensuite euh, le, la, le, la lower finale. Le samedi à 4h encore, et la grande finale le dimanche à 4h, où on saura, eh bien, euh, il me semble que ce sera un BO5. On saura pop, 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 maximum 9h du soir euh, qui est le champion euh, du monde Valorant 2022, en espérant que ce soit une équipe européenne, c'est-à-dire FPX. On verra ça. Euh, il reste donc Loud, Optique, DRX et FPX euh, en lice. On va creuser les doigts pour eux, mesdames et messieurs. Voilà pour l'émission. Je vous remercie euh, une fois de plus de m'avoir suivi. Je vous rappelle, pour ceux qui voudraient revoir l'émission ou qui n'ont pas pu la voir en entier, qu'elle est disponible en replay euh, sur Twitch immédiatement si vous êtes abonné à la chaîne et dans quelques jours sur YouTube. Ça, c'est pour le replay vidéo. Mais si vous aimez l'audio, et eh bien je vous prépare également l'émission. En podcast. C'est sur Google, Spotify, Deezer, SoundCloud, Amazon, Audible, euh, iTunes, je l'ai déjà dit, Apple Podcast. Il y en a pas mal d'autres et tout est gratuit. Donc n'hésitez pas à aller vous abonner euh, justement eh bien, au Valo Web 2. Je sais qu'il y en a quelques-uns parmi vous qui, euh, qui écoutent le podcast de temps en temps. Euh, D'autant plus que, voilà, avec mon cher Salva, on va faire des réglages un petit peu plus fin pour l'audio et ça va nous permettre et eh bien d'avoir une très très bonne qualité bien entendu merci à tous on va alors pour ceux qui euh, pour ceux qui veulent y aller ils peuvent y aller et pour ceux qui ont envie de rester et eh bien je ferai quelques petites games euh, dans un instant je vais avoir un petit jingle en plus on va pouvoir passer in game euh, voilà, pour ceux qui ont envie de rester et euh, de me voir me faire euh, démonter sur le jeu, pourquoi pas? Allez, c'est parti jingle, et euh, pour ceux qui euh, voilà, pour ceux qui nous quittent ici, passez une excellente soirée